Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous asseoir quelques instants. En 1656, ceux qui étaient responsables de notre cité d'Ajaccio ont mis notre ville sous le patronage de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, qu'elle puisse éloigner la peste de la ville. Et depuis cette date, les Ajacciens sont reconnaissants à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, à nouveau, Monsieur le maire et la municipalité d'Ajaccio va pouvoir renouveler le vœu des magnifiques anciens. Après avoir salué Monsieur le maire et les membres de la municipalité, je voudrais également saluer les responsables civils et militaires qui ont été invités par la mairie. Bienvenue à vous tous. Je voudrais également saluer chaleureusement mes frères prêtres et diacres,
et en particulier le père Thomé, l'architecte de la cathédrale, qui s'est donné beaucoup de mal pour l'organisation de cette messe et qui a choisi les textes de cette messe dans un joyeux dynamisme de la miséricorde qui nous est offerte et dont la Vierge Marie est un témoin privilégié. Je voudrais également vous saluer toutes et tous présents dans cette église qui avait à cœur d'honorer la Sainte Vierge Marie. Et puis je voudrais également excuser l'évêque émérite de Versailles, Mgr Éric Rouonnier, qui aurait dû venir et qui a été chargé par l'archevêque de Paris de suivre au nom de l'église la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Et donc c'est la raison pour laquelle il est absent ce matin. Alors nous allons tous nous recommander à la prière de la Sainte Vierge Marie. Nous allons l'honorer et surtout accueillir l'exemple qu'elle nous donne. Et puis, à ma gauche, il y a le siège de l'évêque. Vous voyez, il est vide. Et donc on va demander également à la Sainte Vierge Marie qu'elle intercède pour nous afin que nous soit donné un évêque selon le cœur du Seigneur le plus rapidement possible. Et maintenant, entrons tous ensemble dans la célébration de cette messe. Et nous commençons par implorer la miséricorde du Seigneur en nous tournant vers lui, en lui demandant pardon pour nos péchés. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde, accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Thank you.
saluons, Mère du Seigneur, Reine de miséricorde, rends confort du genre humain, espoir des malheureux. Vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur ? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le carême se poursuit et bientôt nous allons célébrer ces événements qui sont au cœur de notre foi. Le dernier repas du Seigneur, sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. C'est à travers ces événements que Dieu notre Père nous fait miséricorde. C'est à travers ces événements que Dieu notre Père nous partage sa propre vie. Alors pour nous, êtres humains, qu'est-ce que cela signifie que d'accueillir la vie de Dieu et de vivre de la vie de Dieu? Eh bien, il faut regarder le Christ. Dieu, notre Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Dieu éternel qui était auprès du Père, qui sortait du Père éternellement, a accepté de quitter son confort et ses prérogatives célestes pour entrer dans la misère et la souffrance de notre existence humaine. Il a revêtu notre humanité avec ses limites, avec ses souffrances, avec ses doutes, avec ses questions. Et il nous a manifesté ce que c'était que vivre en plénitude en tant qu'être humain. Il nous a montré aussi la tendresse d'un Dieu qui veut notre bonheur et qui veut notre vie. Alors rappelons-nous brièvement comment Jésus a manifesté la tendresse du Père. Il a guéri les malades, il a nourri les foules, il a ressuscité des morts, il a donné le pardon à ceux qui étaient loin du Père, il a partagé la vie des pécheurs, il est allé jusqu'à eux, sans les juger, sans les condamner, mais en leur offrant la bonne nouvelle du pardon et de la vie. Et puis Jésus nous a donné l'exemple. Une vie humaine réussie, c'est une vie humaine vécue dans la confiance en ce Dieu qu'on peut appeler notre Père,
une confiance pleine d'espérance. Et puis c'est aussi une vie vécue dans l'amour. Et qu'on ne se méprenne pas. Pour Jésus, l'amour n'est pas une question de sentiment. L'amour est une question d'action. C'est agir pour le bien, pour la réparation, pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Alors Jésus nous a donné l'exemple et il est allé jusqu'au bout, sur la croix. Sur la croix, alors que Dieu l'abandonnait à la mort, il a continué à manifester sa confiance pleine d'espérance à son Père, en lui disant « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Il a manifesté jusqu'où va l'amour. Il n'avait, j'imagine, aucun sentiment de bienveillance vis-à-vis de ses bourreaux, mais il a quand même prié pour ses bourreaux sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà comment Jésus nous a montré ce qu'est une vie humaine réussie, et réussie dans la confiance pleine d'espérance vis-à-vis de Dieu notre Père, réussie dans l'amour qui va jusqu'à l'amour des ennemis. Et la victoire, nous la connaissons, la victoire de l'amour, la victoire de la vie, c'est au matin de Pâques, lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'il a accédé à cette vie humaine pleinement réussie, corps et âme, à laquelle nous sommes tous appelés. Oui, le Christ est ressuscité, nous le fêterons dans quelques jours, et nous sommes associés à la réussite de la vie du Christ. Et saint Paul nous l'a redit, avec lui, nous dit saint Paul, le Père nous a ressuscités, nous a ressuscités. Mais oui, chers frères et sœurs, nous qui sommes passés par le baptême avec Jésus, nous avons été associés à la fidélité du Christ jusqu'à la mort et déjà par anticipation à sa résurrection. Et nous avons reçu l'Esprit Saint. Et saint Paul nous le dit à la fin de ce texte, nous avons été recréés dans le Christ par l'Esprit Saint pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous. Alors ça, chers frères et sœurs, c'est une extraordinaire bonne nouvelle. Nous passons, grâce à l'Esprit que nous avons reçu, nous passons avec Jésus du péché à la sainteté, nous passons avec Jésus de la mort à la vie. Voilà le cadeau de la miséricorde de Dieu notre Père. Alors la Vierge Marie, eh bien, elle a été bénéficiaire de cette miséricorde d'une façon toute particulière. Elle n'a pas été baptisée, mais dès les premiers instants de son existence, dès sa conception, elle a reçu un don particulier de l'Esprit-Saint qui lui a permis d'être unie à ce Fils qui était encore au ciel et qu'allait accueillir en elle, qui lui a permis de lutter victorieusement comme Jésus contre tout ce qui détourne l'homme de la volonté de Dieu. Et Marie nous donne, elle aussi, un exemple de confiance en Dieu notre Père, pleine d'espérance, un exemple d'amour. Alors nous n'allons pas retracer dans la Sainte Écriture tout ce qui nous est dit de la Vierge Marie, mais simplement nous allons nous rappeler quelques événements. Et d'abord peut-être l'événement qui a fondé sa mission, l'Annonciation. Lorsque Marie reçoit de l'ange l'annonce qu'elle serait, dans sa virginité, la mère du Sauveur. Il a fallu une sacrée foi, si vous me permettez, pour que Marie accepte de croire ce que l'ange lui annonçait. Et puis il lui a fallu beaucoup de courage aussi, pour affronter le regard de celui qui lui était accordé en époux, Joseph. Joseph qui découvrait sa femme enceinte alors que ce n'était pas de lui. Il a fallu qu'elle affronte le regard, les interrogations, les questions de Joseph. Mais elle a eu ce courage, elle a eu cette confiance, elle a eu cette espérance. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, eh bien c'est Élisabeth, la parente de Marie, qui rend témoignage à cette foi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Confiance pleine d'espérance. Et puis, si nous continuons la vie de Jésus, lorsqu'il a 12 ans, vous rappelez, il est au temple de Jérusalem à discuter avec les docteurs de la loi dans le dos de ses parents. Ses parents rentrent chez eux à Nazareth, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas, et tout affolé, eh bien, il remue tout Jérusalem et il le retrouve dans le temple. Avec Jésus qui leur dit ces paroles un peu blessantes. « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Et on nous dit que les parents de Jésus ne comprirent pas ce que Jésus voulait dire. Alors Marie a tenu bon, dans la confiance, pleine d'espérance. Elle n'a pas compris, mais elle a continué à cheminer. Et puis, il y a cette croix terrible. Marie, qui voit mourir son enfant de la façon la plus injuste et la plus cruelle qui soit. Marie, elle est debout au pied de la croix. Elle ne fait pas de procès à Dieu. Elle n'injurie pas ceux qui sont en train de mettre son fils à mort. Elle est là, auprès de Jésus, dans la même confiance, pleine d'espérance.
Après, parlons de cet amour que Marie a eu. Cet amour, par exemple, vis-à-vis de sa cousine Élisabeth, ça aurait pu lui monter à la tête. « Je suis la mère du Messie. Tout le monde doit venir à moi. » Eh bien, pas du tout. C'est avec beaucoup d'humilité qu'elle apprend la grossesse de sa parente et qu'elle s'en va traverser les montagnes sur plus de 100 km pour aller lui rendre visite. Et puis, il y a aussi cette présence auprès de la croix, cet amour que Marie manifeste à son fils. Elle est là, elle est présente. Et puis, après la résurrection du Seigneur, la présence de Marie auprès de l'Église. Elle prie avec les apôtres dans l'attente du don de l'Esprit-Saint. Alors je voudrais terminer avec Marie en nous rappelant ce qui s'est passé aux noces de Cana. Parce que là, on a vraiment la manifestation de ce lien que Marie a avec son fils et avec nous. Vous rappelez les circonstances, la noce est en train de rater, il n'y a pas de vin. Alors Marie dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Voilà, première place de Marie, elle intercède pour nous auprès de son fils. Elle prie pour les gens de la noce, elle prie pour nous, son fils. Deuxième chose, Jésus lui répond de façon un peu abrupte, hein, « Femme, que me veux-tu, hein, mon heure n'est pas encore venue. » Marie ne comprend pas, mais elle va dire quand même à ceux qui sont là, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Deuxième rôle de Marie, elle nous invite à écouter Jésus et à mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et puis, troisième rôle de Marie, finalement, elle pousse un peu son fils à faire ce premier miracle. Et finalement, le poussant un peu, elle le met au monde. Voilà un petit peu les trois rôles de Marie. Jésus, Marie met au monde Jésus pour nous le donner. Marie prie Jésus pour nous. Marie nous invite à écouter Jésus et à mettre en pratique sa parole. Alors nous autres, chers frères et sœurs, eh bien, nous allons demander à la Vierge Marie qu'elle prie pour nous, pour que nous ayons nous aussi cette confiance pleine d'espérance dans toutes les épreuves de nos existences. Il y a cette fameuse maladie, il y a des gens qui sont en précarité, il y a nos propres épreuves, il y a nos questions, il y a nos souffrances. À un moment donné, on aura peut-être dit « Seigneur, tu m'abandonnes ». Eh bien, demandons à la Vierge Marie qu'elle prie pour que nous ayons toujours, quelles que soient les circonstances, cette confiance des petits-enfants vis-à-vis de leurs parents, confiance pleine d'espérance. Et demandons à Marie aussi qu'elle nous obtienne cet amour, qui encore une fois n'est pas une question de sentiment, mais une question d'action. Que nous sachions écouter les personnes en difficulté, les réconforter, leur venir en aide. Que nous puissions promouvoir le dialogue dans les tensions, la capacité de demander pardon, la capacité de pardonner. Que toutes ces choses, nous puissions les demander à l'intercession de la Vierge Marie. Et pour finir, le résultat, eh bien le résultat, c'est la joie. La joie d'avoir un partage de la vie de Dieu, la joie de se savoir sauvé. Et c'est cette joie qui éclate dans ce Magnificat que nous venons d'entendre. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte mon Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, si nous acceptons de suivre le chemin ouvert par Jésus et l'exemple de la Vierge Marie, c'est la joie qui est au rendez-vous. Alors parfois une joie mêlée d'inquiétude, de questions, mais une joie véritable, une joie profonde que rien ni personne ne pourra nous retirer. Alors demandons enfin à la Sainte Vierge Marie, eh bien, que l'Esprit-Saint nous fasse exulter de joie nous aussi, la joie d'être sauvés, la joie de partager la vie même de Dieu. Oui, Dieu s'est penché sur son humble servante, il se penche sur chacun d'entre nous. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
chers frères et sœurs, en mémoire de notre baptême, proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec confiance en la miséricorde de Dieu notre Père, faisons monter vers lui notre prière par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Miséricorde. Pour que les pasteurs et les fidèles de l'Église catholique soient des témoins de cette miséricorde inlassable que Dieu nous offre et offre à tous les hommes par Jésus, le Christ, son Fils unique, Sauveur du monde, par l'intercession de Notre-Dame de la Miséricorde et de Saint-Joseph, auquel le pape a voulu consacrer cette année 2021. Prions. De ces nations se souviennent des racines chrétiennes de leurs diverses cultures, ainsi que des fondements naturels de leurs droits et devoirs, en particulier dans le domaine de la famille et de la procréation. Par l'intercession de Notre-Dame de la Miséricorde et de Saint-Joseph, prions. Ville d'Ajaccio et pour la Corse, pour qu'elles gardent conscience de leur consécration à la Vierge Immaculée, Mère de Miséricorde, et qu'elles en recueillent des fruits plus abondants dans le domaine temporel, prospérité, et dans le domaine spirituel, par de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses et un évêque selon le cœur de Dieu, par l'intercession de Notre-Dame Miséricorde de Saint-Joseph, prions. Nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent en raison de leur foi, et pour tous ceux qui souffrent de cette crise sanitaire et politique complète et totale que le monde traverse, qui en souffrent particulièrement dans leur santé, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, par l'intercession de Notre-Dame de la Miséricorde et de Saint-Joseph, prions. Pour que nous tous et tous ceux que nous représentons, nous reprenions conscience que cette piété populaire de nos fêtes patronales, celles que nous sommes en train de célébrer et toutes les autres en Corse, doivent être, redevenir une expression vivante de notre foi chrétienne, que nous devons à notre tour transmettre autour de nous, spécialement à nos enfants et nos jeunes, par l'intercession de Notre-Dame de Miséricorde et de Saint-Joseph que nous fêterons demain. Prions. Seigneur Jésus, par l'intercession de ta mère et notre mère, daigne exaucer ces prières
Toutes celles que chacun de nous porte en son cœur et présente maintenant sur ton autel, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Accueille, Seigneur, nos offrandes, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de miséricorde, et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères, pour que nous puissions compter sur ton indulgence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie,
c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui t'appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh,
sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de l'Église, notre Mère, Mère de Miséricorde, patronne de la cité d'Ajaccio, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères qui sont du feu, pour les hommes qui sont du feu, qui connaissent la vie de vie, reçois-nous dans ton royaume, nous espérons appeler nous. Manifester notre confiance pleine d'espérance vis-à-vis de Dieu, reprenons ensemble la prière reçue du Seigneur Jésus et chantons.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et vous repartez sur votre gauche, hein, en faisant le tour le long des murs de la cathédrale. Vous avancez par l'allée centrale et tout le monde repart sur la gauche, en longeant le mur de la cathédrale. Sur une file. Thank you.
Toi qui nous as nourris, Seigneur, du pain du ciel, accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie, puisque nous la reconnaissons reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres. Donne-nous d'éprouver les effets de sa protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir quelques instants, simplement pour exprimer un remerciement au service de la mairie et au service de la préfecture qui nous ont aidés à vivre cette fête avec le maximum de précautions sanitaires. Nous remercions aussi notre organiste, nous remercions la petite chorale et Béatrice qui l'a superbement dirigée, un petit peu angoissée, mais là ça s'est très bien passé. On remercie Ingraziamo Franche, c'est notre chargé de communication, qui nous a filmé en direct. J'en profite pour saluer les personnes qui ont suivi cette messe en direct grâce aux bons soins de nos soins. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge Sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu. Celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour la sortie, vous attendez donc le célébrant. On sort par l'allée centrale et vous sortez par derrière sur une file en respectant la distance, en essayant donc que chacun, de façon responsable, de veiller à l'ordre général. Merci. Alors avant que le diacre renvoie l'assemblée, on va quand même se tourner vers la Sainte Vierge Marie avant et nous partirons après.